parce que j'ai mis la bébé chou qui fait le petit bébé. Regardez-moi ça. Je viens de l'habiller, je lui ai mis un pantalon que j'ai depuis, mais depuis sa naissance pratiquement. Enfin franchement, j'avais commandé ce pantalon sur Patpat il me semble, et je l'ai depuis tellement longtemps. Il lui va seulement maintenant, vous imaginez, et il est trop beau. Voilà, c'est un pantalon avec ça au genou. Il est vraiment trop joli avec des petits... Et mes baskets. Et toi t'as le hockey tellement tu fais le clown depuis tout à l'heure, hein. Tellement tu fais le clown. Bon, on va sans doute aller sur l'île aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qu'Alex est en train de faire. Il est allé chercher tous les matériaux ce matin pour faire tout le côté. Là, je pense que ça va aller, aller vite pour faire tout le couloir. Aller vite, tout est relatif, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Mais je pense que ça va, bien enchaîner parce qu'Alex est surmotivé. Et voilà, du coup on va aller faire un petit tour, se balader. Il y avait la maman d'Alex qui voulait aller sur l'île chercher je ne sais plus trop quoi. Du coup on va l'accompagner et on va faire un petit tour en même temps, voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je voulais vous montrer le pantalon, elle fait le clown. Tu fais le clown? Tu fais le clown? Hein? Bon, j'ai toujours pas trouvé de coiffeur. En même temps j'ai pas beaucoup cherché, j'ai le nez qui coule, je suis désolée. Voilà, en même temps j'ai pas beaucoup cherché. Si sur l'île je vois quelqu'un qui peut me couper les cheveux, ben j'irai. Mais un samedi, ça m'étonnerait que sans rendez-vous je trouve quelque chose quoi. Bon, nous voilà en voiture les amis. C'était pas du tout prévu, je vous explique. Alex en rentrant dans la voiture me dit tu vas pas chez le coiffeur pour finir? Je vais trouver un coiffeur un samedi en plein après-midi, il est 15h, ça va être très compliqué même juste pour une coupe. Et du coup j'ai posté un truc sur Insta et il y a la nana de chez DDP Lille, je lui fais un gros bisou si elle passe par là parce qu'elle regarde des fois mes vlogs, qui est trop gentille et je ne retiens jamais son nom, c'est quand même bien triste, qui a réussi à m'avoir un rendez-vous chez Gonnet à Lille, c'est-à-dire que c'est le plus gros coiffeur de Lille, donc je suis trop contente, surtout que d'après ce que j'ai compris c'est carrément le patron qui va me coiffer, donc c'est très bien parce que c'est un très bon coiffeur. Vu que j'ai un peu peur, hein, je vais quand même aller couper mes cheveux là les amis, hein, je ne sais pas. Je sais pas encore en fait ce que je vais faire. Je sais pas si je coupe là, si je coupe juste 5 cm, 10 cm, je ne sais pas. Enfin, ça va être quelque chose qui arrive plus ou moins ici à mon avis. Mais en tout cas, ça me fait peur parce que j'ai jamais eu les cheveux aussi courts que ça. Ce que j'ai là actuellement, c'est le minimum que j'ai eu, je pense. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux plus courts. Parce que j'ai perdu une grosse partie de ma masse et de ma longueur de cheveux avec tout ce que j'ai fait dedans. Voilà. Du coup, je pense pas qu'on fasse autre chose qu'une coupe, hein. De toute façon, je compte laisser mes cheveux repousser comme ça. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous montre ça après. Bon, ben voilà, sortie de cheveux de coiffeur avec beaucoup de centimètres en moins, les amis. Hein. Voilà, voilà, voilà. Franchement, ce coiffeur est trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le salon et j'ai été coiffée par le patron du salon qui s'appelle Philippe Gonnet. Qui est vraiment très sympa et voilà, il m'a coupé les cheveux, franchement on a bien fait ça, je suis trop contente. Il y a des gens qui me regardent hein, comme d'habitude, mais quand vous faites du vlog voilà, en pleine ville comme ça avec autant de monde, les gens vous regardent comme si vous étiez complètement demeuré, hein, comme si vous étiez complètement demeuré, voilà. Nous sommes complètement demeurés, mais c'est pas une raison. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Moi je suis contente, je me sens plus légère. Et non franchement, genre ils étaient lourds tes cheveux. Non mais franchement je suis vraiment contente. Je trouve que ça me va pas trop mal. C'est pas mal. Ça me fait plus mon âge par contre, hein. Ça fait la trentenaire là par contre, hein. Voilà, ça fait moins la... Hashtag MILF. Non mais je suis vraiment contente. Bon, à la couleur on a absolument rien touché. On a tout laissé d'origine, je vous ai dit je veux laisser pousser. Non non, il n'y a plus rien d'origine sur ce matin. Arrête. Fais pas comme si. Et du elle coup, est débridée. Voilà. Je suis contente, ça fait bizarre. De devant, en fait, ça fait pas trop de différence. Mais voilà, de côté, de derrière, on voit vraiment qu'on a coupé. On a coupé vraiment pas mal. Hein. Je vais vous mettre des prises de vue que je n'ai pas filmées dans le salon, que j'ai filmées en Insta Story, donc qui sont un peu bizarres. Je vais les mettre là sur le côté. Voilà, je vais vous mettre la prise de vue là. Vous verrez mes cheveux qui ont été coupés. Voilà. Bon, du coup, on arrive à Euralille. Parce qu'ils veulent tous aller chez Primark, sauf moi. Pourquoi je vais aller chez Primark? Pour me racheter le truc de sport que j'ai acheté, l'espèce de caleçon long et t-shirt pour mettre en dessous de mes fringues de boulot parce que je trouve ça vachement bien, ça me tient chaud, c'est pratique. Moi je ne voulais pas spécialement y aller parce qu'à chaque fois pour Mila je trouve des perles.
Je trouve des trucs trop beaux chez Primark qu'on trouve vraiment pas ailleurs. Et du coup, je peux y aller parce qu'à chaque fois, voilà, je dévalise le rayon enfant et je n'ai plus envie de faire ça. Mais aujourd'hui, vu qu'on est samedi, je pense que ça va être archi blindé et que du coup, j'aurai même pas le courage de regarder. Donc, je vais les suivre dans leur truc. Et puis voilà. Bon, on ne pouvait pas faire sans venir au sushi pour Mamie 4. Mamie 4 qui n'a pas de resto à sushi, je pense, dans la Creuse. Sûrement, mais. Il y a un business à faire en Creuse, les amis. Ouvrez un restaurant sushi en Creuse. Je vous le dis, ça va marcher. Bon, je vous reprends de la maison. C'était très bon ce qu'on a mangé. Bien que j'ai un peu mal au ventre, je dois le dire. Bon, mes cheveux, va falloir vous habituer. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur Instagram, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que j'ai posté une photo. Le coiffeur m'avait fait des jolis mouvements dans mes cheveux. Malheureusement, avec le vent, etc., le temps pas possible dehors. Tout est parti, donc ça s'est un peu raplati, mais voilà, moi j'aime beaucoup, en tout cas je suis vraiment contente. J'avais peur de, voilà, je savais qu'il fallait que je les coupe, mais j'avais peur que ça me plaise pas, et franchement je trouve que ça me va pas mal du tout. C'est très joli, il faudrait peut-être que je vous montre à la fin, je vous montrerai même les cheveux attachés. C'est même plus joli que d'habitude parce que ça me fait une petite queue haute, un peu comme Mila quand je fais une queue haute, je trouve ça très mignon, donc voilà. Je suis contente. Alors je voulais juste vous remontrer ça parce que vous avez été plusieurs à me demander ce que j'avais acheté comme masque. Vous savez, je vous ai parlé des masques et du shampoing à la kératine de chez Vela. Ben c'est ceci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas galéré à les retrouver. Je les ai achetés sur Amazon parce qu'ils étaient pratiquement deux fois moins chers, pas deux fois mais un tiers moins cher que partout ailleurs. Ben non. Alex a reçu ça d'Amazon. Tu n'as plus aux soirées? On a fait une soirée gros chat. Il y avait des grosses chattes aussi. Allez, c'est bon. Bon, du coup, je vous mets ça en barre d'infos, les amis. N'hésitez pas pour celles qui m'ont demandé des infos pour ça. Je vais vous montrer bien sûr ce qu'on a ramené de chez Primark, même si je voulais rien acheter. Je suis passée dans le rayon enfant. On est aussi passé. Tu ronronnes très très mal. Tu ronronnes extrêmement mal. Je me suis demandé ce que tu veux. Je suis pas un chat en même temps. Pourtant, t'as une tranche de chat. Pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, Alex a. Et retourner à Auchan exprès presque pour non. acheter les masques sur lesquels il avait totalement flashé dans le rayon, qu'il n'avait pas osé acheter quand j'étais là. Mais quand il y est allé avec Mila, il ne s'est pas gêné à aller acheter les deux masques. Mais il en manquait un, les amis, celui-ci. Donc mais... ni une ni deux, il est allé sur Amazon non, le commander. Ils sont de super qualité. C'est des masques en dur. Et à l'intérieur, il y a des trucs en caoutchouc et tout. Et comme ça on a les trois, on en a un chacun, il y en a un pour Mila, un pour toi, un pour moi. Ah. Elle joue avec, quand mamie vient, elle les donne à mamie, allez on joue avec. Et ils sont de super qualité les masques. Ah je veux voir les mamies avec le masque. Ils coûtent 13 euros, mais ils sont de super qualité. Voilà, donc bon ça c'était le petit kiff de la semaine d'Alex, les masques pyjama. Et puis on sait jamais, ça pourra servir. Si on fait des soirées. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai ramené de chez Zara. Ah mais ça c'est apparemment ça. Elle a acheté le même livre. Elle a trouvé le même livre que Juliette m'a offert parce qu'elle l'a adoré et du coup ma mamie Kat elle est allée se l'acheter à mon avis à la FNAC ou un truc comme ça. Bon bref. Au Furet du Nord. Au Furet du Nord. Je me suis pris deux verres à vin. Je ne bois absolument pas de vin. Vous savez que je bois très peu d'alcool. Enfin c'est assez rare. Mais là j'en ai besoin parce que j'ai un shooting pour des bouteilles de vin pour une marque. Deux bouteilles de vin à faire. Et du coup je me suis dit à chaque fois, ce sera le mois prochain que j'ai ce shooting. Mais je me suis dit à chaque fois que je vois un joli verre, je le prends parce que pour les photos ça pourrait vraiment servir. Et franchement chez Zara Home les amis, au niveau couvert et vaisselle et tout ça, ils ont des trucs de ouf. Et celui-ci que je trouve canon avec une petite ligne dorée comme ça, franchement en photo ça, ça va donner du feu de Dieu, ça va être magnifique. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et le deuxième que j'ai pris, c'est plutôt pour la marque de cocktail, parce qu'on fait aussi un truc pour une marque de cocktail, un shooting photo. On a beaucoup beaucoup de boulot le mois prochain, mais je pense que je vous en ai déjà vite fait parler. Et Là, c'est très très bien emballé. Oui. Je citerai la vendeuse. Franchement, c'est vrai. Donc voilà le second verre qui est très très joli, vraiment spécial, et pour faire les photos, ça va être vraiment super bien aussi. Voilà. Si tu sais les mettre ailleurs. Et j'ai pris des couverts à Mila que j'ai trouvé très chouette parce que Mila est pauvre en couverts. Voilà. Il n'y en a pas énormément à la maison, donc je me suis dit je vais prendre voilà, ces couverts-ci que je trouve trop mimi. J'ai pas pris la cuillère parce qu'elles étaient hyper larges, je trouve, pour la petite. Donc voilà.
Et celui-ci avec une petite tête de chat. Je sais pas si vous voyez, ça fait la mise au point, mais c'est une tête de chat. Et puis ça, c'est un... Bon, bah bref. Donc la tête de chat. Vous voyez, ça c'est la tête de chat. Ben là, il est plus charmant. Et ça c'est un requin, j'avais pas vu que c'était un requin, c'est trop mignon. Et du coup chez Primark, attention, c'est parti. Il y en a pour Mila et il y en a pour Alex, comme d'habitude. J'ai cru que t'allais dire il y en a pour 1000 balles. C'est pas quand même, pas déconner. J'ai pris ces brosses à dents pour Mila que j'ai trouvé trop mignonne. Alors, j'ai pris cette petite robe. Oh, elle m'a laissé des cintres, je lui avais dit non. J'ai pris cette petite robe-ci qui était à 5€ et je me suis dit que pour l'été c'était vraiment trop mignon. J'adore les couleurs, j'adore les fleurs comme ça, on n'a pas dans ce style-là. J'ai trouvé ça trop beau, 5€. Toi t'as pris plein de... Vous explique, alors ouais. Primark font plein de draps que je trouve jolis, mais que je trouve pas assez épais. C'est-à-dire que moi j'aime bien des draps en minimum 200 fils au centimètre carré ou au mètre... Si c'est 200 fils, bah, bref. Et les trucs 57 fils en fait c'est pas assez bien. Et là, ils ont fait des trucs un peu luxuriés, machin, dont des thés d'oreiller, comme nous, on a des oreillers qui sont... Bizarres. Rectangulaires, non, c'est des... C'est un peu compliqué, ouais, c'est quand même compliqué de trouver des... Ou 50 par 75, et ils font des thés en 400 fils coton. Donc on a acheté des thés, et en gros, pour 8€ de thé en 400 fils coton, c'est vraiment pas cher. Et ça, c'est des thés, justement... Pour mettre en dessous. 4€. Du 57 fils ultra fine. En dessous. Pour mettre en dessous, c'est des sous-thés. C'est des sous-thés. Enfin, c'est des thés normaux, mais qu'on sert de sous-thés. Et comme on a 4 oreillers dans le lit, bah, j'en ai pris 4 de chaque. C'est cool. Alors, je vous sors le reste. Voilà, je pense que c'est bon. Je me suis repris des boucles d'oreilles d'ailleurs. Je pense que c'est un peu ce que j'ai aux oreilles. Sauf que là, il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a des espèces de roses, des blanches comme j'ai là. Je trouve ça vraiment joli, tout simple. C'était 3€ pour tout ça. Donc même si j'en perds, bon voilà, c'est pas bien grave. J'ai pris ce short que j'ai trouvé trop mignon. Malheureusement, je peux pas vous l'ouvrir vraiment. Parce qu'il est attaché avec un truc, il faut le faire. Parce que Mila n'avait plus de petits shorts en jean comme ça. Donc je coupe ici. Je lui ai pris des petites pinces comme ça. Elles sont trop canon. Elles sont super grandes. C'était 2,50€. Enfin franchement, pour tout ce qui est accessoire comme ça, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris ce petit pantalon qui fait un peu penser à du tissu Liberty. Donc et c'est vraiment un pantalon d'été par contre, 6€, voilà, mais je pense que vous voyez les prix. J'ai pris ces petites, ces grandes chaussettes qui montent à mon avis, un peu pratiquement au genou. Enfin, ah, elles sont vraiment grandes si elles montent jusqu'à tes coudes. Mais non, mais voilà. C'est vraiment des grandes chaussettes. C'était combien ça? C'était 4€. Après les chaussettes chez Primark... On va pas dire qu'elles tiennent super longtemps, mais elles sont tellement belles, franchement. En même temps, ses pieds grandissent tellement vite. Bah c'est ça, franchement. En fait, elle a juste le temps de les mettre, et puis quand elles sont abîmées, de toute façon, tout pied a grandi. Donc pour moi, c'est parfait, ça. Et puis pour le prix, 4€, je vous dis, franchement, ça vaut trop le coup. Ah ouais, ça c'est... Non, ça c'est les trucs horribles que quand tu mets avec un pantalon, ça fait un bourrelet sous le pantalon. Mais oui, mais c'est pour mettre avec des robes. J'adore ces chaussettes. Alors, je lui ai pris ce Perfecto. J'en avais déjà un rose. Je me suis dit, non, il faut pas que je le prenne. Mais celui-ci était trop beau, bleu. Bleu un peu pastel comme ça. C'était 13€. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Franchement, il est trop, trop beau. Le pire, c'est que j'avais exactement le même. Il y a un chanteur qui avait le même. Et je l'ai fait gagner à une abonnée. Je l'avais reçu et je trouvais qu'il m'allait. Voilà, il était un peu juste et tout. Et je l'ai fait gagner. Il y avait un chanteur qui avait le même, un français. Jean-Philippe, il s'appelait. Et il l'a légué à sa femme, pas à ses gosses. Je pense que c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour Mila. Mais j'adore, franchement la petite veste, le petit Perfecto là, c'est trop mimi. Trop mimi. Quand vous voulez rentrer dans ce magasin et ne rien prendre, déjà les trucs sont trop mignons et en plus ça coûte pas grand chose quoi. Comment faire pour ne rien prendre? Moi j'ai la technique. Je fais c'est bon Rox, j'ai ma carte. Et puis quand j'arrive à la caisse, je fais ah bah non, je l'ai laissé dans la voiture. Du coup voilà, vous prenez rien. C'est une bonne technique si aussi vous en avez marre. Et ben, regardez en fait, ces pinces. Franchement cette pince est magnifique. Bon, c'est un peu bizarre sur moi, mais c'est vraiment des jolies pinces. Ça ferait encore plus bizarre sur moi, je pense. Tu voulais pas montrer tes affaires vite fait? Mais vite fait, hein, parce qu'Alex aime bien s'étendre plusieurs minutes. Tu vas montrer mes affaires, vas-y. Tu déballes et moi j'explique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un short sexy, moulant, très moule-boule. Short de running en fait, très moule-boule. En fait, je les mets sous mes vêtements de travail pour avoir bien chaud quand je sors dehors, que je vais à la déchetterie, tout comme ça. C'était 10€.
Voilà. Mais je peux m'en servir aussi en dessous de la combi de moto de cross que je vais. Hein, c'est bientôt mon anniversaire au passage. Je ne fais pas d'appel du pied. Ah, ça c'est le débardeur. Et je l'ai pris aussi en t-shirt. Ah, beaucoup plus joli le t-shirt, je trouve, que tout le reste. Non, mais ils sont très bien. Beaucoup plus jolis. Très très bien. J'ai beaucoup de matière, ce truc. Avant d'en acheter plusieurs, j'en ai testé. Mais toi, quand tu feras du sport, t'auras le droit d'en porter. J'ai acheté un truc capuche. C'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus avoir de cheveux. En fait, je le trouve pas exceptionnel. Il est pas. Bon, ça va quoi, c'est un suite capuche, il est pas moche hein. Ouais, mais c'est pour moi travailler en fait. J'en voulais un tout simple, mais il n'y en avait plus des noirs pour moi travailler. En revanche, j'en ai pris un qui me plaît déjà plus, qui est plus fashion pour mettre tous les jours. Pas mal celui-là. Ouais, je veux pas. Je suis pas super fan des trucs avec. Enfin, noir, mais plus la capuche, c'est vraiment noir. Je préfère des gris clairs, des gris chinés. Bah là, bleus. Il est gris. Mais il est gris. Et j'en ai pris un chez H&M qui est vachement il plus est beau. Il est super joli celui-là. En promo. Il est trop beau. Ah, oh, ça j'aime bien. Celui-ci avec est vraiment des zippettes sur les côtés en fait. Il a les zippettes sur le côté. Ouais. Il est super beau. Il est trop joli. Est bien. Le coton il est vachement qualitatif. 13 euros au lieu de 20, 26, ça vaut le coup. C'est bien. C'est beau. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout. On a... C'est déjà très bien d'ailleurs. C'est déjà trop pour quelqu'un qui essaie de moins acheter. Bon, et du coup, avant de vous quitter, je vous montre vite fait, enfin je vous montre, je regarde pour moi en même temps, ce que ça donne quand j'ai les cheveux attachés. Parce que j'ai quand même les cheveux souvent attachés. Je fais rarement des, ce qu'on appelle des queues de cheval, parce que je trouve ça lourd, je trouvais ça lourd, mais là, je vais pas les attacher, mais regardez comment ça rend bien. J'aime bien avoir une petite, vous voyez, une petite houppette comme ça, plutôt qu'un long truc, ce que j'avais avant, ce que j'avais aujourd'hui, quoi. Je trouve ça joli, c'est plus dynamique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait plus dynamique et j'aime beaucoup. Ça fait dynamique. Je suis très contente, je suis vraiment contente. Ok, ça fait dynamique quand tu vas. Bon, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. On compte sur vous pour le liker si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de mes cheveux. Voilà, si vous trouvez que ça me va bien ou pas. Il y a des gens sur Insta qui disent que ça me rajeunit. Moi, je trouve que ça me vieillit, entre guillemets, ça me donne mon âge, quoi. 33 ans. On dirait voilà. Catherine Deneuve quand elle avait 60 ans. Alex, depuis tout à l'heure, me dit que j'ai un petit côté Catherine Deneuve, malheureusement, à l'âge qu'elle a actuellement. Non, j'ai dit à 60 ans. Ça fait plaisir, vraiment. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de mon masque, si ça me rajeunit, si ça me va bien ou pas. Moi, je trouve que ça me dynamique. N'importe quoi. Allez, on vous fait des gros bisous, à demain.